Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit achat que j'avais fait pour mes besoins personnels par rapport à mes vidéos. Donc, un pack de 3 ampoules venant de chez Novostella. Donc, un pack de 3 ampoules que j'ai trouvé pas si cher que ça par rapport au nombre d'ampoules livrées. Entièrement compatible avec Alexa et Google Assistant. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Salut. Comme vous savez, sur Vision High Tech, on parle d'accessibilité. Aujourd'hui, ça ne sera pas vraiment sur l'accessibilité visuelle, mais on va parler plutôt de l'accessibilité moteur. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont parfois des difficultés à allumer leur lumière, à baisser leur lumière. Ils n'ont pas, malheureusement, la possibilité de faire énormément de gestes. Et grâce à ces ampoules, eh bien, on va passer par le système du vocal et ça va aider pas mal de monde. Pensons à tous les handicaps, pensons à tous ceux qui ont des problèmes physiques, moteurs, visuels ou tout autre handicap. Et on va tout de suite passer au déballage de ces ampoules. Voilà donc, et ce système d'éclairage peut être vraiment aussi parfait. Je pense aussi pour certaines personnes malvoyantes qui peuvent par exemple avoir besoin de faible luminosité. Donc on pourra régler ceci à la voix, augmenter ou diminuer la luminosité de ces ampoules vocalement. Vraiment un plus aussi pour les personnes en situation d'handicap moteur des membres supérieurs qui pourront là aussi allumer, éteindre à volonté à la voix leur lumière. On passe tout de suite à cet unboxing de ces Novostella, un spécialiste des lumières connectées. D'ailleurs, ils font pas mal de guirlandes, ils font pas mal de choses de Noël, étant donné que dans 2 mois et demi, on est bientôt à Noël. Ça sera donc l'occasion de vous prendre des petites guirlandes connectées. On va sortir tout de suite ces ampoules et les connecter sur une des deux applications. Vous pouvez utiliser l'application Lumari ou Smart Life pour connecter ces ampoules sur vos assistants préférés. On passe tout de suite à l'unboxing, c'est parti. Ça va pas être compliqué. La boîte donc contient 3 ampoules packagées. Vous avez vos 3 ampoules les unes à côté des autres avec à l'intérieur les notices pour savoir comment les connecter. La petite carte avec votre code QR pour vous diriger tout de suite sur l'application Smart Life. Ou, je vous dis, tentez l'application Lumari par rapport à d'autres ampoules, que leurs ampoules, elles sont vraiment très légères. Luminosité, 16 millions de couleurs. Et en plus, vous allez pouvoir faire jouer de la musique et elles suivront le rythme de la musique. On passe tout de suite donc à l'appairage d'une de ces ampoules. Alors, c'est des ampoules avec un culot E27. Alors, ce genre d'ampoule peut vous faire gagner jusqu'à 2 ampoules 75 watts, c'est un gain en plus d'énergie et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça de connecter une ampoule avec Smart Life. Voilà donc c'est tout simple, vous vous dirigez sur votre lustre, sur votre lampe de chevet, votre lampe de bureau ou toute autre lampe que vous voulez adapter. Vous allumez l'interrupteur de votre lampe, une fois que vous avez bien vissé votre ampoule, on est prêt donc à l'appairer avec notre application, c'est parti. Important pour mettre votre ampoule en mode ampérage, vous éteignez votre interrupteur 3 fois rapidement. Votre ampoule se met à clignoter, elle est mise en mode ampérage. Voilà, je vous avais fait d'autres vidéos avec le voice-over, cette fois-ci j'ai mis mes AirPods, comme cela vous allez pouvoir suivre au niveau de ma voix. Vous allez sur votre application Smart Life. Vous l'ouvrez et tout en haut à droite, vous allez sur Nouvel appareil. Une fois ceci fait, vous arrivez donc sur ce genre de fenêtre. Vous allez donc sur le premier choix qui est éclairage. Ensuite, vous avez cette fenêtre. Vous continuez la manipulation avec le bouton d'en bas. Et ici, il vous demande de vous connecter au Wi-Fi. Vous mettez votre mot de passe et vous validez. L'ampoule est en train d'être appairée. Lorsqu'elle a été vue, elle arrête de clignoter et normalement votre Alexa va vous prévenir tout de suite qu'elle a découvert un nouvel appareil. J'ai trouvé l'appareil à 60 Wi-Fi 2 et vous pouvez le contrôler en disant « éteint à 60 Wi-Fi 2 ». Quand vous avez entendu ce message, votre Alexa a reconnu votre ampoule et vous êtes prêt à l'utiliser vocalement. De multitudes couleurs, 16 millions de couleurs, du rouge, du bleu, du vert, du jaune. On voit ici qu'on peut simplement, via l'application, allumer ou éteindre notre ampoule avec notre smartphone, sans aucun souci. Et on peut même ici, comme vous pouvez voir sur votre smartphone,
jouez avec la luminosité, sur la colorisation, 16 millions de pixels, c'est pas rien. D'ailleurs, vous pouvez voir ici les différents jeux de lumière dans cette salle, du jaune, du rouge, du orangé, du bleu, du vert, du rose, enfin toutes les couleurs sont à votre disposition pour égayer vos soirées. Vous allez même pouvoir faire des jeux de scène avec ces ampoules via la musique, c'est vous qui gérez, puisque tout est compatible via Google Assistant et via Alexa et via IFTTT. Passez-vous maintenant les maîtres des ampoules Novostella. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la partager, à liker, ça fait toujours plaisir et c'est super important. Merci à vous et surtout, à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.